Avant de commencer, alors on est entre nous un petit peu ce matin. Bidace avant, il faisait des jeux Unity avec un exécutable à la con, tu lançais le jeu, ça se lançait. Bon, comme tout à chacun. Mais Bidace, il a un peu arrêté de faire des jeux parce que il est nul à chier, personne joue à ses jeux. Et il s'est mis en tête de faire un peu comme le Terror Engine. En gros, il prend Unity, il fait une interface avec des boutons, des menus pour faire son propre jeu soi-même et il vend ça, enfin il le met en téléchargement. Genre le Terror Engine, c'est ça. Mais c'est Unity en fait. Roman de Bidace, non, je fais pas de fanfic sur Bidace. Et du coup, c'est ça qu'il nous proposait sur Gamejolt jusqu'à il y a pas longtemps. Sauf que le père Bidace, pour prouver qu'on peut faire un jeu avec ça, bah, il en a fait un lui-même. Avec son moteur de jeu, justement. Et du coup, alors je suis obligé de mettre le téléphone parce que du coup, évidemment, vous doutez bien que Bidace n'est pas capable de faire un truc en fenêtré. Je vais pas me prendre la tête avec le fenêtré, je vais tout de suite lancer ça. Et du coup, bah, et c'est ce qu'il fait sur Gamejolt. Sauf que le mec, c'est pas la moitié d'un branquignol, c'est le master of the branquignolos. Du coup, j'aimerais bien. Ouais. Bonsoir, LT, mais alors. Du coup, je sais plus ce que je dis. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Du coup, il a fait un jeu, oui, avec son propre moteur de jeu. Du coup, oui, mais il a pas réussi à faire un jeu avec une exécutable facile à installer. Donc, en gros, tu dois télécharger son projet tel qu'il est dans son moteur de jeu. Tu dois télécharger toi-même son moteur de création de jeu et ouvrir son projet comme si tu allais le retoucher, tu vois, comme si c'est toi qui avais créé le jeu. Et c'est ce qu'on faisait sur RPG Maker, ça, parce qu'à l'époque, on n'avait pas des grosses connexions, on avait du 56K, hein. Et bah du coup, il fallait pas compiler tout le jeu, parce que quand tu compiles le jeu, ça met tous les assets, même si tu t'en sers pas. Même si le jeu s'en sert pas. Et là, c'est la même chose. Donc c'est pour ça que j'ai mis. En fait, Bidace, lui, il me dit sur son ce qu'il faut faire, sur son guide pour lancer le jeu, il dit copier le dossier du jeu dans le dossier racine du moteur de développement. Sauf que, en fait, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut que tu rentres dans les dossiers du jeu que tu télécharges. Dedans, il y a un dossier projet. Dedans, il y a le dossier du jeu, effectivement, mais qui est dans deux sous-dossiers différents. Donc déjà, ça, c'est pas bien expliqué. Il faut le copier, ça, dans le sous-sous-dossier projet du créateur de jeu. Et pas dans le dossier racine. Jamais tu fais ça. Ça ne marche pas. Et non, Bidès m'a pas parlé. C'est sur la page du jeu. Mon Dieu, mais alors, j'ai. Attends, parce que je dis ça. J'ai quand même posté un message sur la page du jeu pour. J'ai mis Sir Bidace, dites-moi comment faire. Je l'ai appelé Sir. Bon, il n'a pas répondu pour l'instant. Et du coup, quand tu as fait ça, il faut que quand tu lances le moteur de jeu, ce que j'avais bien compris qu'il fallait faire au tout début, tu mets load. Sauf que load ne fonctionne pas. Attends, je vous capture ça. C'est un autre chose, mais tu vas comprendre. Sauf qu'il va pas vouloir vous le capturer. Eh oui, parce qu'évidemment, je pense bien que ça va pas être si simple que ça. Évidemment que ça a pas marché. Putain, attendez, faut que je vous le capture. Bah là, si je vous le capture pas, je meurs. Alors voilà, ça le problème, c'est que ça va pas vouloir vous le capturer. Putain, on est bon. Oh, puis ça bug, vous pouvez pas savoir quand c'est horrible ce truc. En plus, il y a une espèce de petit bruit de fond, je sais pas si vous l'entendez. Il veut pas. Alors, pourquoi il veut pas faire une capture d'écran, une capture de fenêtre là? Ah, ça y est. Bon, alors, par contre, quand il est en plein écran, ça risque de pas marcher. Alors ça, voilà, avant de commencer vraiment le bousin, alors déjà, c'est même pas en 1600-900, allez savoir pourquoi. On va le faire comme ça, il y a un petit liseré noir, on va le mettre le liseré noir en haut. Voilà, ça, c'est le moteur de jeu Made in Bidace. Mais j'aimerais bien, mais non, mais je crois qu'il sait que je me fous de sa gueule. Tu dois faire le travail. Oui, la moitié codé une interface pour Unity, mais c'est de la merde. Ça, c'est le moteur de jeu où tu es censé créer ton jeu pim pam poum, vous voyez? Et donc, faut faire file, parce que vous le voyez. Et moi, je faisais file et load. Sauf que moi, les premières fois, file load, ça marchait pas. Tu vois, je faisais file load, load save. Bon, bah, je me dis, c'est pas encore un truc qui est prêt. Ça marche pas. Et comme vous l'avez vu la première fois, une fois sur 10, alors peut-être en double-cliquant à chaque fois, va. Non, parce que des fois c'est double-clic. Là j'ai double-cliqué, ça n'a pas marché. Là ça a marché. Donc le truc n'a aucune constance, c'est pas cohérent, c'est pas. Ça tient, ça marche qu'à moitié. Et c'est pour ça qu'au début je comprenais pas ce qu'il dit. Parce qu'au début j'avais compris ça, moi. Tu mets le projet, tu dis lancer le projet, ouvrir le projet et ça marche, quoi. Oui, alors tu peux scripter, mais c'est tellement mal branlé. C'est incompréhensible, la moitié des trucs sont pas en place. Enfin, c'est.
Autant prendre Unity direct. Je sais pas pourquoi il s'emmerde à vouloir créer un moteur de création de jeu qui ça te fait des jeux dégueulasses et il va nous le prouver puisqu'il a donc fait son jeu. Alors, je vais. Est-ce que vous le voyez toujours là? C'est ça ma question. Hein. C'est quand c'est en plein écran. Je vais bouger l'écran, vous me dites si ça fonctionne la capture. Est-ce que là, vous voyez que ça bouge ou pas? C'est ça qu'il faut me dire. Tout à l'heure, ça voulait pas marcher. Hein. C'est bon, ça a marché. C'est tout, ça vient bouger. Alors on y va. Alors on y va, les enfants. Je prépare mon petit chat. J'avais dit qu'il fallait que ça reste ouvert, ça. Pourquoi il s'est éteint du coup? J'avais remis sur 2 minutes. J'avais remis sur 2 minutes. Voilà. J'arrive. Parce que je voudrais pas en rater une miette. Ah, j'aime bien ça, moi, le follow. Alors merci pour le follow. Attendez, je vais aller voir c'est Kiki. Ah putain, j'arrive pas à faire tenir mon truc. Qui c'est qui a follow? Merci. Angel Blue 2193. Qui va découvrir maintenant. Alors là, je vois. Donc on fait file, on fait load save jusqu'à temps que ça marche. Putain. Mais tout à l'heure, j'ai vu ça. Là, on efface son jeu et il faut mettre coller le truc qu'il met sur le site, sur la page du jeu. Et on load. Ah! Et là, en fait, on teste le jeu comme si on l'avait créé nous-mêmes et tu sais qu'on clique sur. Eh oui, la space. Alors le son, je sais pas. Il n'y a pas beaucoup de son. Donc accrochez-vous. Est-ce que. Voilà. Est-ce que vous voyez? Ah si, je peux mettre en fenêtré. Non, ça bug. Alors, il y a un filtre rouge. Je peux plus jouer, ça bloque. Alors, il y a un filtre rouge, oui, pour faire genre on est. Ah, ça y est, ça se débloque. Je vois rien. Ça rame comme Jaja. Est-ce que ça bouge déjà chez vous? Ouais, c'est que je vois pas tout l'écran en fait. Ça y est. Vous voyez une espèce de tache rouge là? Ah merde, je l'ai fermé, putain. Merde, ça va bugger maintenant. Attendez, je le rouvre. Allez, alors j'ai des dollars, je me fais taper dessus, mais je vois rien, putain. Je vois absolument rien. Ah, c'est une lampe torche? Allez, F lampe torche, ok. J'ai fait tab. Strength, alors tab. Find a way of the cage. Ah oui, puis il faut que je gère. Social, happiness, hygiène. Bides qui nous fait un survival. Je sais pas pourquoi il y a ce filtre absolument dégueu. Il faut sûrement que je me soigne, mais. Mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est que je donne des coups de poing! Non, c'est que je me fais taper. Ouais. Attendez, ça devient un peu mieux. Ça y est, je recouvre la vue. Vous voyez quelque chose? Regardez, regardez. Regardez. Ah, talk! Talk, je peux talk! Where are we? Who are you? La fenêtre est noire. Ah merde! Et là, est-ce que vous revoyez là? Ah, je suis désolé. Ah, mais putain, vous ratez tout là. Attendez, on va recommencer. On va recommencer. Ce qui est chiant, c'est que je l'ai réduit tout à l'heure. Et du coup, ça a tout niqué la capture. Ah, j'aime bien ça, moi, le follow. Merci, Angel. Beaucoup d'Angel. Hein. C'était bon. Bah, désolé, oui, parce que. Mais on va le relancer. On va le relancer. Oh là là, mais on a toute la soirée, les enfants. On a toute la soirée avec Bides. Je vais le laisser en fenêtré. Ça va être moins chiant. Mais vous allez revoir le début comme ça. Alors, on est bien fenêtré. Voilà, je baisse un peu la taille. Pour l'instant, j'ose pas trop l'ouvrir plus gros que ça. Alors, toujours. Ah putain, mais quel tocard. C'est un bouton load, quoi. C'est pas non plus la muerté, quoi. Voilà, ça me l'ouvre en petit. C'est pas grave. C'est pas grave. Tant que je le réduis pas, tant que ça reste en arrière-plan, mais voilà, c'est bon. Je vais vous le recapturer. Attendez. Vous allez kiffer comme Jaja. Alors par contre voilà, en fait il faut. Je voudrais le redimensionner mais. Voilà, je peux plus le redimensionner. C'est pas grave, c'est pas grave. On a la solution, on a la sono. Alors là, ça doit plus vous capturer grand chose, mais attendez, j'ai la solution, voilà, c'est revenu. Bon, en tout cas, c'était peut-être pas parti. On va faire une espèce de voilà, truc hybride comme ça. J'aurais pas mieux pour l'instant. Et maintenant on joue, on fait le game quoi. Niveau du son, on va être un peu plus fort parce que je sens que je voulais pas rater un. Ah non, c'est trop fort. J'avais pas réalisé que c'était fort. Ça joue, ouais, t'inquiète. Voilà. Alors. Je vois rien. Je vais attendre que le sang en fait s'en aille de mes yeux parce que c'est une mise en scène. Vous voyez? C'est du gameplay.
J'allume la lampe. Je vois un peu quelque chose. Ça y est, ça s'en va. Le body awareness. Mais je marche tout seul, en fait. Allons. Mais regardez ce fof dégueulasse. Ça y est, regardez. Voilà. Regardez comme c'est beau. Regardez ce PNJ. Regardez cette... cette lueur dans le regard. Avec la lampe torche, quand je m'approche, ça disparaît dans son torse. Ah. Ah. Alors, moi, qui êtes-vous? Attendez. Alors, je peux taper des trucs sympas. Ouais, ça bloque, mais je peux quand même taper. Parce que c'est le sang, Angel. C'est la vie, c'est beau, c'est bidace. Ça fait combien de temps que je suis ici? Je suis prise... Alors, c'est un survival RPG, voilà, quoi. Find a way out of the cage. Who the fuck are you, mate? Mal foutu qui a pris de vie. Approche-toi plus et je t'éclate la tête, mec. Ah putain, oui. Attention, c'est le jeu le plus ambitieux qu'il ait fait. Hein. La barre blanche. Ah oui, mais oui. I'm on your side, bro. What the fuck side, mate? What is this shit and who are you? Non mais là, faut que je puisse... faut que je puisse faire autre chose. Next Gen 2004, pété où? C'est 97. T'as été kidnappé, on est là pour une quelconque raison. Yeah, you don't. Non, qu'est-ce qu'on sort d'ici? English sur 20, ben oui. Aether et il bloque d'autres choses. Ah, tatata. Je sais pas pourquoi je dis ça. Alors, c'est tout pour maintenant. Alors, voilà, je sais pas, mes barres. Non, je sais pas ce que c'est que la barre blanche. Ah, il y a d'autres mecs là. Qu'est-ce qu'il fait lui? Bonjour. C'est F6. Comme ça il fait. Pourquoi il penche? Il fait du smooth criminal. Il nous répète, il répète un petit morceau de... Ah oui, il essaye de faire du moonwalk, lui. Ils essayent de préparer un spectacle sur Michael Jackson. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça penche comme ça? Qu'est-ce qu'ils font? Mais il y a un autre mec par terre. Regardez, il est deux fois plus grand, le mec par terre. Regarde. Mais pourquoi il y a des... Regarde les putains de jambes qu'il a. Mais pourquoi il y a un putain de géant? Mais fuck. Mais Bidace, mais... Mais t'es fou. Mais t'es complètement taré. Pourquoi t'as mis un géant? Mais... Alors, je sais pas, ouais, c'est que je tape, mais l'interaction, je sais pas ce que c'est. Voilà. Clic droit, ça fait quoi? Ah, je donne un kick! Ouais, je peux cliquer, mais en fait, je pouvais taper dans la fenêtre, mais ça tapait rien. Ça tapait pas de lettres, ça faisait avancer le curseur. Alors, on va essayer de le kick. Bon, ça marche pas. Est-ce que je peux niquer les planches, là? Quand je suis trop près, ça... Ouais, non, ça bloque. Ils sont trop... Et quand tu veux que je sorte de là, on sait rien. Mais... C'est qu'il m'a pas dit comment interagir. Ah non, c'est la batterie, la lampe. La barre blanche. Le problème, c'est que j'ai pas les touches, quoi. Alors, je peux sauter. Ah ouais, mais c'est... Oui, ça se recharge pas, quoi. Ça, c'est une brique. Putain, mais je sens qu'on va pas avancer. Oh putain, j'ai cru que j'avais glitché la porte, quoi. Oh, ça doit se faire. Ça doit tellement se faire la glitchette, là. Je déteste. Attendez. On doit pouvoir être poussé par lui, là. Je suis où? Putain, je vois rien. Non, je suis toujours là. Find a way out of the cage. Mais putain, j'en sais rien, moi. Mais je sais pas comment on interagit, c'est pas que je veux pas, hein, mais... Ah, mais on relancera, t'inquiète pas. Bon, maintenant que je sais, ouais, on va peut-être pouvoir... Tu peux pas, genre, te glisser, là? Ouais, je vais reparler, mais bon. Ouais, il va nous dire la même chose. Ouais, putain, on fait la même merde, quoi. Hello de la clé. C'est ça, j'ai dans les fichiers du jeu, je vais mettre at key égale 1. Ah oui, tu vois, je peux taper les trucs, je peux revenir en arrière, mais ça... C'est le cyberpunk. J'étais jeté un jeu qui s'appelait cyberpunk... je sais pas combien, c'était un faux jeu, il était bien merdique aussi. Ah mais la lampe se recharge au bout d'un moment. Oh bah non, Night Lovart, non. Bonsoir d'ailleurs, je sais pas vu si c'était arrivé tout à l'heure. Vas-y, t'es là depuis le début, je suis là, excuse-moi. On va essayer d'autres touches.
On attend que le dialogue se termine, n'est-ce pas? Vite, vite, je me souviens. Bah ouais, et puis avec les putes dans la discothèque. Et le pire, c'est que B-Days, il est anglais, hein. Il est à Londres. Enfin, il est anglais. Peut-être pas d'origine anglaise et tout, je sais pas. Mais hein. Il habite en Angleterre, à Londres, hein, je crois. Hein. Et c'est un génie, quoi. Il est à moitié clodo. Des moments où il avait plus d'endroit où vivre, enfin, c'était... Parce que je suisais ses aventures. Jean-Michel Clé Géante, il est en prison de l'autre côté, là. C'est pour ça qu'il fait des clés géantes, c'est qu'il est géant, ce con. Et puis, je peux rien faire, quoi. Et donc, tout ça, il l'a fait avec son jeu, ouais. Et je peux pas le niquer, vraiment. Ça m'arrange, quoi. Ouais, je vais déclencher une bagarre, je sais pas. Donc c'est bien eux pour interagir, parce que oui, pour parler c'est eux, donc ça c'est bon. Putain, mais y a pas crocheté. Hein. Putain, mais y a forcément un truc à faire, c'est pas possible. Est-ce que je peux me baisser? Ouais. Là par exemple. Mais ma lampe sert à rien, elle éclaire mon cul. Pas l'espèce de truc, non, c'est censé être un lit. Putain, je vois rien. Il y a forcément quelque chose là. Là, la brique ouflette, tu veux pas la prendre? Le nom du site a été censuré. Venez, mais il y a quoi là-bas? Il y a de la femelle, non? De la femme, ça. Bon, bah, je sais pas quoi faire. Ouais, je commence, ouais, on a réussi à le lancer, à le capturer il y a pas si longtemps que ça, on a quand même fait les premières présentations, j'ai envie de dire, les premiers contacts. Bah, je sais pas. Là, là, honnêtement, là, je sais pas, je suis désolé, mais là... Je peux taper partout, c'est du flanc, quoi. J'ai plus de chance en tentant glitch. Ah putain, mais je me fais repousser. Petite salope. Mais là, je passe carrément. Son audience target, mais personne, il target sa mère, c'est tout. C'est sa mère, son audience target. Maman, regarde. Achète-moi un vrai ordinateur, sinon je fais que des jeux de merde comme ça. Sa mère, elle est aveugle, elle a pas vu le problème. Hein. Ce petit swag. Wicko, 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 wicko. Bibi. Ça, c'est du B-Days. Ah, tu peux pas lui enlever une certaine passion, hein, une envie de bien faire. Putain, c'est du genius. Ah, ça, vous êtes du monde pour voir cette merde-là, ça. Ah, ça, quand je fais des bons jeux, y a plus personne. Ah, bah oui. Non, mais là, c'est chiant parce que je sais pas quoi faire. Ouais. Je sais pas s'il a vraiment été beaucoup plus loin que ça, en vrai. Je le connais, le Lascar. Hein. Bon, déjà, je suis déshydraté, donc ça, c'est pas cool. Alors, les touches qu'on a vues. A, E, F, ça. Ah bon, on se baisse, ouais. Pas de carte, pas d'inventaire. La molette, ça fait rien. Oh! Oh, oh! Qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi ce fond vert? Avec la molette? Alors, quand j'appuie avec le bouton de la souris, ça fige. Ça fige mon... What? Ok, alors middle mouse, ça balance des boules vertes. Je sais pas pourquoi. Mais je balance des caméas ou quoi? Mais... Mais what the fuck, quoi? Mais qu'est-ce que t'as, bidé? C'était complètement starvé. Mais ça a pas de sens, c'est des trucs verts. On dirait que je pense que c'est une texture qui se lance pas. Ou un effet spécial qui se lance pas. Et c'est pas de ma faute parce que j'ai le moteur du jeu qui m'a dit de télécharger. Alors là, je suis estomaqué. Je crois que le chat doit pas marcher là. Je vérifie du coup avant qu'Angel a pété un câble. Voilà, le chat a planté, oui. On voit plus YouTube. Ok, d'accord. J'arrive. Je vous ai vu cette fois. Alors Angel, tu dis rien. T'as pas le droit de dire des trucs, Angel. Parce que je l'ai vu cette fois. On met le chat. C'est bien. Je trouvais ça bizarre que vous réagissiez pas au Kamehameha. Je trouvais pas ça sain. Hop, ça relance.
Et YouTube, j'ai vu YouTube. YouTube est là, ouais, mon petit aimé. Je sais, vous êtes là. C'est bon. Disiez des trucs. Zizi. Ah, j'ai mis oui, parce que je suis en. Ah oui. Et là, on va mettre Zizi, du coup, sur YouTube. Est-ce que ça marche? Ça revient, ça revient. Voilà, ça marche, on revient. Oui ou piou, oui ou piou, oui. Ah, est-ce que Méné, il a la ref? Néme, allez, on est synchro du Zizi sur le retour, et ça, c'est bon. Bon, si je veux, vous parlez pas. Donc, alors, votre avis, qu'est-ce que vous me disiez de beau sur le Kamehameha, du coup? Parce que ça, c'est la question, j'ai pas la réponse, du coup. Qu'est-ce que vous m'avez raconté? Vous payez 1 € pour le chat. Zorbit, il est là. Bonsoir, tu disais bonsoir, Némé. Voilà, c'est lui avec la torche, mais je sais pas. Ok. Bah, j'espère que je vais réussir, écoute. Je l'espère de tout cœur et ça rebug encore. Non, si, c'est bon. Non, sortir de là. Ok, c'est le dernier message. J'ai eu peur. Mais là, attendez, parce que je m'agite, mais. Parce que des fois, il tire une boule, puis des fois, non. Pourquoi tu tires la boule des fois? Je vais essayer. Je crois que c'est un faux truc, le. Mais des fois, ça la lance pas. Pas l'air d'interagir vraiment. Oh, il y en a plein des vidéos de Bidace. Ah, de ce jeu-là. Ah, bah non, non, non. Oui, non, de mes vidéos à moi, je crois. Mais avec ma torche, mais. Je pense que oui, mais oh, une clé directe, ce serait un peu abusé. Bah écoute, oui, enfin, il vend pas ça comme un work in progress. Lui, il dit pas, il y a que le début de dispo. Hein. Quoique. Mais je sais pas, on dirait qu'il fait un mouvement comme ça, mais je saurais pas trop dire. Non, ça passe à travers tout. Mais il y a peut-être que ça en vrai. En vrai, je pense pas qu'il y ait vraiment moyen de faire quoi que ce soit. Hein. Je crois qu'on s'est un peu enflammé le zizi, quoi. Ouais, mais ils sont goldés, eux, les deux, là. Franchement, je les kiffe. Ouais, il s'agirait d'arriver à glitcher, mais. Pas si simple que ça, à glitcher. Putain, j'y suis presque. Oui! Oui! Bordel. Ah, on va enjailler le géant là. Ah, c'est exactement ça, c'est quand ils ont ouvert le cercueil. Je crois que c'est. Je suis presque convaincu que c'est ce qu'il faut faire en fait. Alors, est-ce que je peux parler à Smooth Criminal? Non, je pense pas. Et ils ont pas de collider. Ah si, putain! OMG, je peux parler à l'autre? Oh putain. Oh putain, je suis en chaleur. Ah, attention, attendez, avant ça, faut que j'aille voir ce qui se passe derrière là. Il fait du pied au petit tas de poussière. Eh, s'il te plaît, eh, s'il te plaît. Regardez ses mains. Ah, Bidace, tu es flamboyant. Bidace, je j'en peux plus. Je suis au bout de ma life. Alors, what's going on? Mais c'était vraiment ça qu'il fallait faire? Il fallait que je me glisse entre les barreaux en glitchant? J'ai pas trop lu ce qu'il a dit. Too long, mate. Fucking too long. What the fuck happened to him? Je pense qu'il parle du géant. Qui? Lui ou le grand gars? Le grand gars, Jean-Michel Clé Géante. Les deux, qu'est-ce qui se passe? Comment êtes-vous arrivés ici? C'est tous les mêmes. Ah bah oui, y a qu'un modèle. Exact. On sait pas, on sait rien. Ce qu'on sait, c'est qu'il se relèvera pas. Ce que je sais, c'est qu'il se relèvera pas. Vraiment, qu'est-ce qui nous arrive à lui et qui l'a tué ou est-ce qu'ils l'ont tué ou quoi? Qui ça, il? Je suis joie. Les gens qui nous ont amenés ici. Écoute, hein. Think I did. Je crois que c'est moi qui l'ai tué, mais je suis pas sûr. Ok, d'accord. Ok, that's all for now. Et toi, tu peux pas te parler alors. Mais on voit son cerveau en fait. Non, c'est des bandages. Ok. De toute façon, ils ont tous des petits chapeaux. Mais alors, du coup, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je peux glitcher là aussi? Honnêtement, je saurais pas si. Je sais pas si je pourrais le refaire. Hein. Cette danse, mais oui. Oh oui! Oh oui! Oh! Po, po, po! Ce gros out of map.
de seigneur. Bon, il va pas me servir à grand chose. On va pas tomber tout de suite. On va essayer de... d'optimiser cette OOB des enfers. Parce que je pense qu'il a pas mis de collider. Bon, partout, ça c'est évident. Non, mais là, c'est même plus de out of bounds. C'est... Mais je sais pas si je vais pouvoir re-rentrer en fait. C'est ça qui me. Voilà. Ah non, parce que là, je vais tomber. C'est Spikey qui serait fier de moi. Alors j'ai 6 sur 20. Plus stamina, plus de bouffe. De toute façon, ça sert à rien de me mettre des stats parce que je peux pas manger ni rien. J'ai pas d'interaction. Ça sert à que dalle quoi. Tu veux être considéré comme le plus idiot? Non, 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 c'est faux. Pourtant, il met aussi des... Il met des colliders là, c'est bizarre. T'as cassé le jeu cassé. Bah du coup, ça le répare, non? Ah mais je fais des sauts accroupis. Ah oui, c'est vraiment le truc de base. Putain, c'est GG. C'est Spider-Man sur PS4, quoi. Putain, c'est bon, ça. C'est bon, Bidace, tu me régales, là. Putain, tu me fais plaisir, Bidace. Par contre, je peux pas marcher, là. Ouais, c'est bloqué, mais c'était juste la grille, attendez. Eh oui, parce que je suis pas censé être là-dessus. C'est génial. Top the cage. Ah bah là, j'avoue, j'ai atteint l'objectif. C'est vrai que... C'est vrai que là, normalement... Ah, Bidace, vraiment, là, c'est du bon. Là, il nous régale. Slow run, bah oui, mais... Bah, je vais être obligé de... Ouais. C'est de résumer, mais là, je vais tomber à l'infini. On va le relancer. Ah, putain, la kiffane. Ah, là, je suis en joie. Je suis en joyasse. La map est petite, oui, mais... Le bon jeu de temps en temps, est-ce pas Zikti ? On va relancer ça et on va essayer de le faire semi-legit, c'est-à-dire de pas vraiment faire le gros out of map qu'on a fait. Là, c'était un petit peu exaggerated. Quand même. Et ce beau logo, je sais pas si vous le voyez. Ouais. Alors, hop. Ah merde, attendez, non, ça va pas. Oui, non, ce que j'ai fait. Ah, faut que j'aille rechercher, putain. J'ai recherché l'adresse du jeu. Non, c'est pas ça. Hop, ouais. Pas ça non plus. Je retourne sur la page du jeu, copier le machin du jeu. Allez, regardez-moi ça. C'est normal, ça, de faire ça? Oh là là. Je vais pas le modifier. Ben en fait, je sais pas parce que je suis de l'eau de la sève et ça load le jeu direct. Donc, je sais pas trop comment faire pour loader le jeu, mais pas lancer le test. Je sais pas comment on fait là. Je connais pas son putain de système de merde. Allez, on perd pas le temps, surtout on gaspille pas la lampe. On va pas lui parler. Je pense pas que c'est un vrai sens. On glitch, voilà. En fait, non, il suffit de sauter en fait. Hein. Et on va juste aller faire pareil ici. Est-ce que je peux faire pareil ici? Pas l'impression. On va essayer quand même. Allez, je suis propulsé en arrière. Ah putain, attendez. Ah ouais, je suis propulsé quoi. J'essaye de sauter, ça me sbim. Bon, bah, j'ai juste à marcher en vrai. Attendez, il y a... Oh putain, oui. Oh putain, c'est bon ça. Il y a des ennemis, il y a de la bagarre, il y a du sexe. Oh putain, oui. Attendez, on va attendre que le filtre s'en aille. Et on va observer en attendant cette charmante personne. C'est de la même personne, mais c'est fou. Mais oui, mais c'est un JPEG. Mais une définition absolument dégueulasse. Mais même ses écritures sur le bord, là, sont sales. Hein. Donc c'est char... Mais oui, il parle, il fait une dissertation. Et l'autre, bah, attends là, open legs, quoi. C'est... Alors. Quand tu laisses appuyer, il se baisse plus. Voilà. C'est beau. Bon, il va y avoir de la bagarre. Prêt pour la bagarre. Allez, il y a des HP, il y a des HP. Elle a des couettes. Ouh, c'est qu'elle est très mal faite. Oh, mais STP. Mais attendez, mais c'est abusé. Je peux rien faire, je peux rien faire. Ouais, j'ai vu sur mon objectif. Ah putain, je me fais violated.
Mais je vois rien de toute façon. Et puis comme par hasard là, je peux plus rien faire, mon animation elle marche plus. Bah j'aime pas voler, attends il est parti où? Ah bah non il tape, mais elle est plus là, arrête, arrête mon colo. Pas fou, je crois qu'il est. Il faut que je trouve des first aid and supply. Ah mais là on peut pas jouer, bordel bidace, mais... Tiens, sac à foutre. Attends, ça remonte un peu, mes soins. Ah oui, ça remonte, regardez. Enfin, ça enlève un peu le sang. Ça y est. Allez, secoue-toi les yeux, bidace. Bidace, non, c'est pas bidace qu'on joue. Quoique, c'est peut-être autobiographique. Et qui d'autre que moi a été aussi loin dans ce jeu? Père fucking son, comprenez? Tiens, nounours. Tex Tough Toy. Quoi, quoi? Oh, les musiques toujours dégueulasses. Ça, c'est une constante chez Bidest. Le même modèle qui se répète avec la même anime. Putain, c'est quoi? C'est bon, oui, Tech First Aid, bien sûr. Wesh. Wesh. Mais déjà, qui d'autre que moi prend la peine de le lancer? Putain, mais les animes, elles marchent une fois sur 10, quoi. Mais même Bidest, c'est ça, il s'arrête avant. Alors, on se fait un petit concours de breakdance. Attends, mais tes bras, ils sont à l'envers de ton corps, en fait. Ou c'est ta tête qui... Ok, d'accord, allez, c'est bon. Une échelle, là. Encore un géant. Il y a 40 000 nanas, pareil. Burger Bidest. Mais moi, je te le dis, c'est son petit-fils ou quoi. Il y a un truc. Mais quoi? Mais quoi? Ah merde, elle est revenue. Je vois rien, je peux pas bouger. Quand elle me tape, en fait, ça me bloque. Ouais, c'est fini, les amis. Bah, je la vois pas. Bah, elle est invisible, je sais pas. Mais je ne te vois pas, personnage. Mais littéralement, je... elle y est pas là. Mais qui m'a... Elle est où? On aura vu ce très bel écran de fin. Oh, c'est comme la sirène de Silent Hill. Oh, c'est super. Et c'est comme ça à l'infini. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de... Voilà. Je peux appuyer, il n'y aura rien. Ah, même le échappe marche plus. Ah. Ah. Blue Dive. Deux petits points, c'est même pas trois. J'ai obligé de faire Alt F4, hein. On relance. Pas question que je me laisse faire comme ça. Non, attendez. Putain, je pensais pas y jouer si longtemps. Ah, faut que je le mette en replay, là. Je pensais que ça allait durer genre 25 secondes, tu sais. Une map à la con, mais là, non, là, c'est trop beau, là. Putain, quelle... Ah, quelle excellente occasion pour finir le week-end. Putain. Non, pas Create New, non, load. Putain, mais j'en peux plus. Ah, oh, si tu me provoques tellement de joie. Il est raté sa map, 3 points, il n'y arrive pas. Je dois sub ce jeu. Jamais je le sub, c'est ma vie, ça. Moi, j'ai de faire des speedruns là-dessus. Bidace pourcent, je te fais là-dessus. Clé géante pourcent. No hit. C'est-à-dire que moi, j'arrive pas à donner des hits. Mais t'es fou. Mais ça, c'est... Ça, c'est... Voilà. Eh oui, je sens qu'il a fait un vrai jeu en plus derrière. Putain, le pauvre homme, quoi. Il essaye de faire des trucs et tout le monde s'en bat les couilles. Ok, on y va en accroupi. Ça a l'air de passer accroupi. Ouais, juste accroupi, ça passe. Donc c'est ça. S'échapper de la cage, on se met accroupi. Alors le problème, c'est qu'elle est chiante parce que tout à l'heure, j'ai à peine avancé. Elle m'a violé, quoi. Ouais, ouais, c'est bon. Voilà. De toute façon, par là-bas, j'ai pas l'impression qu'il y a grand-chose. On est bon. Et peut-être qu'il y en a une deuxième en fait qui m'a agressé hein, tout à l'heure parce que... On va aller voir par là. Ah merde. Eh oui, il y a quelque chose d'autre qui m'attaque. Je te fais un don. Non, mais en fait pas de don. Faites pas de don à cause de ce jeu là, putain. Bah je sais pas, il y a un truc. Je vois pas. I don't see. Where are you? Je vois que dalle. Ah, c'est là qu'il y a les soins, attendez. Il y a les mecs là, qui sont là. Putain, merde, j'ai plus 10 de soins. Mais qui m'attaque, là? C'est le Teddy Bear qui m'attaque? Et c'est où que j'avais trouvé les soins tout à l'heure? Ah, c'est là, c'est derrière le Teddy Bear. Ah, vite, prends les soins! Ouais. Zip! Bon, qu'est-ce qui m'a attaqué, alors, putain? Mais c'est quoi qui m'a attaqué? Y'a rien!
Non mais sans déconner, vous voyez un truc qui m'a attaqué? Le type assis, mais non, regarde, je suis super... Mais putain, mais... Y'a littéralement rien là, Bidace. Qu'est-ce que tu fous? Y'a rien qui m'attaque, y'a rien. C'est le vent. C'est ta grand-maman qui m'attaque. Non, non, non. Non. Non, Bidace. Ça ne se fait pas. Nine, niche, verboten. No es autorizado. Faire violer par la main pisse. Attends, je l'ai relancé, mais bien sûr, ça n'a pas fonctionné. Putain. Tranquille. Ah, tu me rends ma boule. C'est mon next. Là, je rentre en mode panne view drive. Hein. Attention. Mais de la grande époque, les enfants. Attention, là, je suis pas. Je suis chaud du réchaud. Hein. Ouais, je cite. Comment il s'appelle? Alice Moon. Ouais, c'est pour dire que je suis chaud. Peut-être, j'en sais rien, ouais, on les voit pas. Il m'attaque avec tout son talent qu'il a pas, quoi. T'as vu, je rage, ouais, t'as vu. Je suis trop rageux. Bon. Alors, il faudrait que je maîtrise peut-être le combat. Peut-être ainsi, je pourrais me débarrasser de l'autre, là. Bon, on maîtrise la première phase, hein. On est plutôt bon. Est-ce que je peux pas prendre une barre de fer? On va essayer de la niquer hein, en spamant avec les gauches, mais je vais attendre que ça revienne un peu. Pourquoi je commence à 46 de santé tout à l'heure, j'étais pas à 100? Peut-être pas. Non, je dis ça, mais j'en suis pas sûr en fait. Regardez, à m'attendre, c'est le boss, c'est le beat boss. Ah oui, la boule verte, la boule magique. Ça marche pas. Oh putain, la boule verte, oui! Oh putain, la boule verte! La sainte boule verte! Par contre, faut pas qu'elle vienne, quoi. Oh putain, Bidace, c'était trop un génie! Je crois qu'il a mis ça pour lui, pour pouvoir tester son jeu. Bon, ça va être très long. Oh, la boule magique, pierre d'hostel! 4 PV par boule verte. Ah bah, ça va être long, hein. Mais au moins, on prend 0 dégâts, quoi. Mais je sais même pas ce que c'est, putain. Ah, bravo, GG, là, tu vois. Any pourcent, bah... ça a pas fait vachement plus mal d'un coup, là? Ah mais peut-être qu'il y a la localisation des dégâts, attends. Non? Ah, parce qu'on n'est pas passé genre à 40 tout d'un coup là? J'ai pas fait gaffe à combien c'est... T'es sûr que c'était 4? Mais c'est ouf quoi. Le bruit je toque et je pouffe. Eh les heures, c'est... Franchement je pensais pas que ça marcherait. Hein. On va reculer parce que je suis en train de m'approcher d'elle à cause des animations. Ah mais non, c'est elle qui s'approche, non? Ah putain, spam. Merde, non, on va mourir. Bidace. José. Putain, j'avais pas fait gaffe, je croyais que c'était moi avec... Oui. Oh. Putain, c'est bon, est-ce que je peux la looter? Putain, mais comment je t'ai... Ah, je t'ai niqué, quoi. Je suis trop jouasse. Ça y fait un petit chat. Nya, 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 ta, 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 ta. Sims to be an escape. Ah putain, c'est la sortie. It's locked. OMG. J'hésite à dire GG. Mais si, des gros GG pour Heather. Là, s'il faut lui offrir un sub. Moi, je suis pauvre, mais allez-y. Des ballons de poudre de couleur. Oui, mais n'aimé. Ouais, mais le problème, c'est que... Last boss. Le problème, c'est que là... Ça m'a quand même pas enlevé mon problème. T'as la clé, Jean-Michel? Non, j'ai pas la clé. Là, quand ça fait ça, c'est pas des dangers. Non, mais il y a un truc qui m'a blessé et je crois pas que ce soit l'autre. De toute façon, si c'est pas... C'est quand je marche là. Est-ce que c'est vous qui faites mal? On va prendre le teddy bear déjà. Bon, le problème c'est que là je suis sans de health. Ça remonte aussi, j'ai l'impression. Et je veux bien vous libérer, moi. Expérience 42. Ah oui, putain, j'ai dit XP. On va garder les soins. Et on va avancer. Donc c'est... Non, il y a quelque chose qui nous attaque. Putain, je sais pas ce que c'est, je peux pas bouger. J'essaye tout, je peux pas bouger.
je vois rien. Et je force. Non, on dirait qu'il y a un mur invisible carrément. On dirait qu'il y a un mur invisible, putain. Au sol, mais j'ai rien vu au sol. Bah ouais, mais du coup, j'ai essayé de balancer une balle un peu dans le vide, ouais, si éventuellement il avait oublié de mettre un... Merde. S'il avait oublié de mettre un truc à l'écran, mais qu'il y avait quand même le... entre guillemets, le script de l'ennemi. Ouais, je vais agrandir ça, un petit chouï, là. Voilà. Voilà. Oui, parce que c'était pas assez grand. Là, on est bien. Le jeu est fini. Non, le jeu n'est pas fini. C'est fini quand B-Days m'aura demandé pardon. On est reparti. Bon, bah, on va rebuter la nana au cas où. Quoiqu'au final, ça sert à rien. Parce que, ouais, non, en fait, ça sert à rien. Moyen de le minder, ouais. Ouais, techniquement, hein, je fais du out of map. Bon, on va pas perdre notre temps à la buter. Je pense pas que ça... Je sais pas si déclencher les scripts en leur parlant, ça suffit pas vraiment de script pour l'air de se déclencher. Donc. Bah, de toute façon, bah si, il faudra la buter parce que... Je vais attendre de en position là, bien en face. Alors on y va, on spam. Ah merde, attendez, faut que je reprenne le bon rythme là. Merde. Ah putain, l'anime a mis 1000 ans à se lancer, je vous jure. Putain, puis je la rate là. Merde, j'ai déjà plus mon skill. Parce que chaque coup, il lance l'animation. Évidemment qu'il y a que moi. Oh putain, puis je m'approche comme un con. Voilà, c'est mort. Voilà, c'est mort. Ah putain, c'est le viol. Voilà, je sais pas où je suis. Hein. Ah, attends, on va pas perdre de temps, Mais y'a que moi qui joue à ces jeux, c'est pas possible autrement. Hein. Faut... Ouais, mais c'est devenu. Voilà, c'est quand même devenu au départ les emblèmes de mes emotes, quoi. Enfin, c'est bidet, quoi. C'est devenu un personnage, carrément. Tu lances des balles de tennis, oh, je sais pas. Je sais pas trop ce que je lance. Alors, on essaie encore un peu, mais honnêtement, hein, j'ai peut-être me le garder. Enfin, si, je vais me le garder sous le coude et puis. Et puis, on verra. Putain, mais c'est des trucs, faut taper presque des lignes de code. 45 premiers. Je sais pas, le mec c'est un génie. En fait, il y en a plein d'autres comme lui, mais lui, il est consistant en fait, c'est ça qui est drôle. Ah, et comme Burger, il fait en citant des youtubeurs, tu sais. Burger, il remercie Markiplier et tout. Bien sûr, il a pas peur. Hein. J'arrête pas, Spider, c'est ça toute la soirée. Maintenant, je ne jouerai plus qu'à ce jeu tant qu'on l'aura pas fini. Même si on m'offre Mortal Kombat, je m'en fous. C'est ce jeu ou rien. C'est la vie que j'ai choisie. Ouais, je suis trop loin. Là, voilà, je sais pas, il y a eu l'animation, mais j'ai rien lancé, donc je sais pas. Là, c'est pareil. Ça va être un peu long, mais vous allez kiffer après. Ah mais si à la fin je vois des crédits on arrivait à finir cette chose et qu'il disait thanks to Lord Butter. Mais genre on est deux à le suivre sur Game Jol peut-être hein, un truc comme ça. Enfin, une poignée quoi. Pour l'ensemble de sa carrière sont nominés JM B-Days, André Burger pour pas de vue drive. Ah, faut que je fasse gaffe parce que les animes elles se lancent pas à chaque fois en fait si j'enchaîne. Mais putain vas-y lance. Mais tout à l'heure, j'avais bien réussi, mais j'ai peut-être eu de la chance tout à l'heure, en fait. Non, putain, mais à ce TP, c'est pas possible. Si, Spider, je le finirai. Ah non, je m'en fous, faut que ça... Là, ça va me faire un replay glorieux sur YouTube, ça, les enfants. Ça, c'est beau, ça. Je mettrai un petit timecode en disant qu'on arrive à jouer à partir de X minutes, parce que... Les gens, ils vont pas comprendre pourquoi je m'acharne sur un truc pareil. Mais je laisserai le petit historique, bien sûr, parce que sinon, s'il n'y a pas la saveur. Mais si, il est fini, je suis sûr.
Bidex existe peut-être parmi tous les devs dont il a testé le jeu. J'ai pas compris ta phrase par contre. Sors de moi. Bon, on va peut-être éviter le combat. Peut-être qu'après on aura une meilleure arme parce que là on stagne un peu. Et on a vu que tuer la meuf, ça m'aide pas forcément à passer le deuxième problème là-bas où je me fais destroyer. Voilà. Bon là par contre je sais toujours pas quoi foutre. Personne ne paierait le jeu. Non, c'est vrai que pour l'instant il demande pas d'argent. Et ça c'est mieux. Qu'est-ce qui, est-ce que quoi, je me fais électrocuter? On va explorer un peu ailleurs, mais j'avais déjà exploré, c'est ça le problème. Et je peux pas rentrer dans un des trucs. Non. Pas l'air. Oh, 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 oh oui. Oh non. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, mais oui, je suis monté sur les trucs. Enfin. Attendez, attendez, non, je pars en glissade là. Qu'est-ce qui se passe? Il serait pas possible qu'il y ait un type qui ressemble vraiment à Tombidé, ce qui un jour répond à ton délire. Oh, belon. Dans un jour de jeu caca, tu veux dire? Regarde les outils de création. Mais le problème, c'est que les outils de création, je peux pas ouvrir ce jeu-là. J'ai essayé. Là, il y a une voiture. Où ça? Ah oui, merde. Une carcasse de voiture. Voilà. Là, c'est pas prévu. Là, clairement. Bon, essayer de vue d'ensemble. Est-ce que ça nous aide un peu? Écoutez, je fais du wall run. Assassin's Creed, mon bro. Et je peux pas parler à quelqu'un qui va me dire attention, passe pas par là. Putain, mais non, mais là, c'est chiant. Parcours. Yamakasi, fils du vent. Fils de ta mère. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces textures de bois? Il est improbable ce homme-là. Je sais pas comment il fait. Hop là, allez. Est-ce qu'il y en a un qui parle dans le tas? Est-ce que vous avez des colliders? Oui. Est-ce que je peux vous niquer? Mais là, l'animation de combat se lance même pas. Elle est en retard, mais. Fistinière qui tourne mal. Bon, là, il n'y a rien à faire. Ok. Et je peux peut-être libérer mes potes du coup. Le mec qui est avec moi là. Eh hey bro, t'as juste à te baisser. Je te jure, c'est hyper facile en vrai. Alors malheureusement, là, je crois qu'on a vu le... Qu'il tape sur un mur invisible, ma balle. Vous voyez, elle va pas plus loin que ça en fait, c'est bizarre. Putain, ça y est. Qu'est-ce qui se passe? Mais qui me touche? Y'a rien. Je peux rien faire. Alors qu'y'a rien quoi. Je suis où? Je suis où? Ah, mais non, y'a un mur invisible là, ça se voit. Non, non. Allez, une ultime fois, on va pas non plus passer notre vie, mais. Mais non, j'ai pris le kit de secours, j'ai essayé de passer là, je l'ai pris le kit de secours, ça a rien fait. Hein. Là, c'est ce que j'ai fait. Hein. Ça a déclenché l'attaque aussi, quoi. T'y connais, ouais. C'est vrai qu'Ezer, il. Bon, bah, il tourne pas mal, quoi, dans la région, quoi. C'est pas vrai. Il y a un talk-eux qui est apparu? Ah merde. T'es sûr? Je l'ai pas vu. Oui, l'objectif a pas changé, mais c'est, je trouve, des supplies aussi, pas juste des soins. On va vérifier cette histoire de mur. J'ai pas vu le talk là. Hein. Je te crois, hein, mais je l'ai pas vu. Alors on va aller voir ça dans la cage, on va essayer de s'approcher doucement. C'est peut-être notre porte de sortie. Salut, il y a... Attends. Enfin, faut que je find first aid and supplies. Non, ah oui. Si, c'est ça. Non. Ah non, find first aid supplies. Ah oui, d'accord. Pourtant, moi, je suis sûr que je les avais pris. Hein. C'est ça, first aid. Voilà, là, je l'ai. Ah non, il y a d'autres trucs. Find food and water supplies. Ok. Eh, mais je trouve ça où?
Il y avait un talk alors, tu dis. Mais le problème, c'est que à peine je m'approche, putain. Pourquoi il fait ça? D'accord, il y a ses mains. Alors, il y avait un talk. Ah putain, oui. Ah putain, mais attendez. Je parle à qui là au pneu? Madame. Ah! Ah! Aïe! Hey! As-tu faim? Oui! Oui! Casse-toi, Mac! Ah, c'est moi qui demande s'il y a la faim. Il me dit fuck off! C'est de télé, je peux t'amener de la bouffe. Mais non, je peux pas, j'ai pas de bouffe. Ah, c'est sûr, j'y crois vachement, ouais, vachement, quoi. Cette attitude, on est tous là ensemble. On va tous s'entraider, on est des copains. Ah ouais. Et c'est pour ça que t'es de ce côté de la barrière, métaphoriquement. Bah non, justement, littéralement. Je peux te faire sortir. Bah vous avez juste à vous baisser, c'est pas dur. C'est très facile, moi j'y arrive. Et faire quoi avec moi? Me ramener à ma famille hein. Putain, mais vas-y. Bah non, j'ai encore mes barres, c'est pas logique. Et oui, ça doit être un script mal branlé, ouais. Pourquoi vous dites tout ça? Oublie ça. Bon bah ça a pas été très productif, mais ça veut dire qu'on peut peut-être parler avec les autres. Pardon monsieur. Alors on va bien regarder s'il y a une box. Enfin là s'il y en avait une quand même. Il était là le tas ? Ah bah oui c'est bon, oui. Putain, vous me faites peur tous. Ah, les barreaux sont prêts. Bon, ça n'a pas servi à grand chose. Putain, je me bloque d'une façon astronomique. Non, et là, je peux pas. De toute façon, je crois pas, il a l'air un peu décédé. J'ai Michel Torticoli, son frère. Et vous voulez pas parler? Là, j'ai pris les soins. Food and water supplies. Bah, mais où, quoi? Non, clairement, il y a un gros bug là. On va laisser tomber. Je vais essayer encore un coup parce que là, du coup, on a du progrès quoi. Donc, il faut battre le fer tant qu'il est rempli aux trois quarts. Ouais. Puis pourquoi je le mets en. Putain, je replace ma fenêtre, mais ça sert à rien parce que ça va se remettre en milieu de l'écran. Je suis à deux doigts de me faire un raccourci pour lancer le truc quand même. Peut-être un peu que ça chèque. Hop, on est parti. Allez, après, je vous laisse tranquille. Je sens que Speeder est en PLS. Il est pas habitué comme nous, Abidex. Sinon, on a vécu ça, tu comprends. Hein. Est-ce que le fait de pas parler aux autres ça me nique des scripts? Putain, mais j'ai pas envie de leur parler quoi. Je vois rien. Et les caisses là, je peux pas. Bonsoir. Ah bah, mais c'est qu'il faut partir bosser demain quoi. Non, puis là, je pense que là, on trouvera pas, quoi. On trouvera pas de solution. Hein. Et il veut pas venir, tu vois, il voit que je suis dehors, non, ça déclenche rien. Ah bah attends, ça a déjà changé. J'avais pas encore pris le machin que... Alors, on va parler à Miss Tinguette. Quand même. Allez, t'es en vacances. Il est tellement caché le truc quoi, c'est un scandale. Ouais, mais si je m'approche trop, bah oui, putain. Bon allez, pour ce soir, on va arrêter. Peut-être un jour, je me remettrai. Si Bidays me répond, je vous dirai que je suis bloqué, que je sais pas quoi faire, et peut-être il me répondra. Peut-être que le Saint Bidays me répondra pour m'aider, parce que là... Mais je vais lui envoyer un truc genre... private, tu vois, pour pas spoil. Je crois qu'il y passe plus. Je crois que ça fait pas longtemps qu'il a mis en ligne parce qu'il a dit
Je vais vous dire ce qu'il y a sur sa page. James Ambidace. Easy preview big news folk. Dans 7 jours, je mets en ligne un jeu de survie science-fiction survival. Et c'était il y a 20 jours son message. Donc il y a 20 jours, il a... Donc ça fait genre 13 jours qu'il a mis ça. Squalou, tu arrives à la fin. C'est ma tête de prout. Eh oui, tu as tout raté, Squalou, tu as tout raté. On est dessus depuis une heure presque. Hélas. Hélas. Mais je vais envoyer un petit message. Send friend request à Bidace. Et puis, j'aimerais bien pouvoir lui parler en privé pour lui demander ce qu'il faut faire. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a Angel qui me dit le chat marche pas. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai eu un succès. Rien à voir. Bon, bah, c'était génial. C'était bien au-delà de mes espérances. On arrive à le lancer. On arrive à jouer un petit peu et tout. Ah, je suis fortaise avec ça. On remercie les deux follow de ce soir. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on pourrait raid ? Bah écoutez, Melepsy, ces temps-là. Et Manu, streamant pas. Oh, on peut aller raid Seros. Qu'est-ce qu'il fait Seros ? Il joue à quoi ? Il joue à du Far Cry. Oh, est-ce qu'il a bien besoin qu'on le raid Seros ? Allez, je vais le raid. On va le raid un peu. Far Cry 4. Et puis ma foi. Hop, moi je vous dis bonne soirée. Et à la chaîne pro. Si je refais un live vidéo, je vous le dis, vous inquiétez pas. Bye bye. Non, c'est pas là non plus. Hein, voilà. C'est quoi le bouton pour réparer ?